Un gribateur part à son champ. Au loin, il observe ses arbres. Il a dans son champ des manguiers et des pruniers. Je n'ai plus assez de place dans mon champ. Il me faut choisir les fruits qui pourront me rapporter le plus d'argent pour nourrir ma famille. Après avoir coupé les manguiers de son champ, le cultivateur plante des noyaux de prunier. 5 ans après, l'arbre est prêt à se reproduire. Les fleurs apparaissent, c'est la période des amours. Transporté par les abeilles, le pollen des fleurs mâles ou des fleurs hermaphrodites va se poser sur le tube de la fleur femelle. Un jour au village. Une fille et un garçon cueillent les feuilles de prune et va les apporter à sa grand-mère. Grand-mère, pourquoi avons-nous besoin des feuilles de l'arbre? Mes chers enfants, avec vous cet arbre, nous pouvons faire plein de choses à la saison des pluies. Le prunier nous donne ses fruits pour manger quand il fait chaud. Il nous donne son ombre et quand nous sommes malades, il nous donne ses feuilles pour confectionner des médicaments. Un jour, un marchand de prunes arrive. Il fait le tour des villages pour acheter des prunes à vendre au marché. Il s'arrête devant le champ de notre cultivateur. Bonjour mon ami, je suis à la recherche des meilleurs de tes prunes les vendre au marché. Le marchand ne veut que des prunes noires. Ce sont les prunes les plus aimées à la capitale et celles qui se vendent le plus cher. Le marchand repart en voiture avec les prunes noires, laissant le cultivateur avec les autres prunes. Il décide que chaque année, il ne replantera plus que des noyaux de grosses prunes noires. Chaque année, le commerçant revient prendre des prunes noires. Un jour, une maladie apparaît durant les prunes, des pruniers et prunes noires. Catastrophe. Tous les pruniers et prunes noires sont morts. Le champ de notre cultivateur est nickel. Il ne lui reste presque rien. Le commerçant revient au village et ne trouva que des prunes violettes et bleues sur sa route. Il les achète quand même. Papa, que s'est-il passé? La maladie a tué les prunes à prunes noires. Les prunes qui se vendent le plus. Dans le premier champ, lui, il a toujours des prunes violettes et bleues. Nous pouvons les manger, même si certains les trouvent moins bonnes. Peut-être que la nature veut nous dire qu'il faut garder dans les champs une diversité des prunes pour éviter les catastrophes. Le cultivateur et la fille ont raison. Les plantes sont différentes entre elles. Certaines sont résistantes à des maladies, mais moins productives que celles qui ne sont pas résistantes. On appelle ça la diversité. La nature s'adapte aux perturbations, comme les maladies ou le changement climatique a besoin de la diversité. Malheureusement, l'homme, pour gagner plus d'argent, choisit, sélectionne certaines variétés plus rentables. Choisir de conserver la diversité dans son champ,
c'est donner plus de chance à la nature et à l'humain de demain.